Bonsoir à tous et bienvenue ici au Stade Louis II à Monaco pour ce quart de finale aller de la Coupe UEFA entre Monaco, un dernier club français rescapé qui fait un excellent parcours cette saison en plus d'être leader du championnat de France et toujours en lice en Coupe de France, qui reçoit le Naples de Diego Maradona. Alors c'est un gros morceau qui se présente pour les joueurs de la Principauté, mais ne l'oublions pas, Monaco a éliminé au tour précédent l'Inter de Milan et sa pléiade de stars, hein, Brémeux, Rummenigge, Altobelli pour ne citer que. Et forcément ce soir, malgré l'adversaire, il y a de l'espoir côté monégasque. Alors au niveau de la composition des équipes, Athlète, Ström, hein, Bellone sur le front de l'attaque, Barberis en meneur de jeu. Et côté napolitain, on notera bien sûr, en plus de Maradona, les présences de Careca, Alemão, Ruud, Kroll, notamment pour ne citer que. Alors Monaco, ce soir, a le désavantage de recevoir en premier, forcément. Il faudra se rendre à San Paolo dans 15 jours, ce sera compliqué. À condition que Monaco, ce soir, négocie ce match aller pour une fois, pourquoi pas se mettre dans les bonnes situations. Et là, c'est un long ballon et Garella qui renvoie ce ballon. Les deux équipes qui jouent dans leur couleur habituelle. Et là, c'est Athlète qui est pris par Bani. Et déjà une contre-attaque. Careca qui a le ballon, mais il est dépossédé. Il fait une comme une faute d'ailleurs. Et l'arbitre siffle un premier coup franc pour l'AS Monaco, tiré par Juan Ernesto Simon. Barberis, Athlète qui frappe. Oui, mais là, ça passe largement au-dessus. C'était la première occasion de ce match. Alors on le dit, une équipe de Monaco sur tous les fronts cette fin de saison, puisque les Monégas sont donc quart de finaliste ce soir de la Coupe UEFA, leader du championnat, à la lutte avec les Girondins de Bordeaux et toujours en lice pour la Coupe de France. Alors il va falloir à un moment donné faire des choix et nul doute que malgré l'enthousiasme et l'excitation de ce match ce soir, les Monégas qui ont dans un coin de leur tête l'objectif principal qui est forcément d'être champion de France en fin de saison. Là, c'est Bellone qui avait donné en retrait. Simon Puel. Il sert Bellone là-bas. Ouais, c'est bien joué. Bellone, ce qu'il a fait, il va centrer, mais il n'y aura personne à la reprise. Et en tout cas, des Monégas qui mettent du rythme en ce début de rencontre. Amoros. Ouais, qui écarte bien pour Athlète. C'est bien joué ça. Il veut centrer pour Barberis, mais c'est dans les gants de Claudio Garella. Alors c'est vrai que sur le papier, cette équipe de Naples a un effectif, on va dire, un peu moins complet, moins impressionnant que celui de l'Inter de Milan. Mais forcément, ils ont dans leur rang Diego Maradona, qui, on le sait, à lui tout seul, peut renverser n'importe quelle situation. Et pour l'instant, au bout de 10 minutes de jeu, et on s'en félicite, nous n'avons pas encore vu l'international argentin à l'œuvre. Attention, allez, Mao ! Oh là là ! Première frappe ! Attention ! Attention, cette frappe d'Alemão sur une déviation de Careca en retrait. Et Jean-Luc Ettori qui se couche bien. Et attention, c'est le premier corner pour les Napolitains. Maradona, attention, cafouillage. Et ça passe à côté. Et l'arbitre indique à nouveau le point du corner. On va revoir ça. Mais ça a été, oui, ça a été détourné. Alors attention, parce que là, les joueurs du Napoli sont en train d'investir le camp monégasque. Une reprise de volée. Et cette fois-ci, il finira en sortie de but. C'était dangereux. Et on le sait, un but concédé ici à domicile serait très fâcheux pour le match retour. L'objectif de Monaco ce soir, forcément, c'est de l'emporter pour se rendre à San Paolo avec un espoir. Ernesto Simon aux prises avec Careca. Ouais, c'est bien défendu. Bonne stabilité défensive pour l'instant de la défense monégasque. Bijota pour Bellone. Bellone qui redonne à Bijota, qui donne à Edström. C'est bien joué. Il est aux prises avec Brucciolotti là-bas. Il va quand même centrer la tête d'Athlète. Et ça passe à côté. Dommage, c'était bien joué. Pour l'instant, c'est Monaco qui fait le jeu. Malgré tout à l'heure, les deux escarmouches. Les joueurs de Naples. Corner tiré par Bruno Bellone. Pour l'instant, ça ne donne rien. Et c'est sorti. Oh, la frappe d'Athlète. Encore lui qui a repris ce ballon
un peu en demi-volée, un peu en extension, on va revoir ça. Ah oui, oulala, ça passe pas loin et Garella a été battu. Et Monaco, hein, clairement, qui domine cette rencontre, comme on le voit. Et qui, pour l'instant, prend le match comme il faut, en étant très, très sérieux. Attention, long ballon en profondeur là-bas. Oui, c'est bien défendu. Forcément, du côté de Naples, hein, ce soir, l'objectif est assez simple. Hein. Naples ne veut pas encaisser de but, ramener un 0-0. Ce serait un très bon résultat pour eux, ils le savent. Là, c'est Elström, Atlet. Donc nul doute que ce soir les Napolitains ne vont pas prendre beaucoup de risques. Umberto Barberis qui est contré. Mais Alemão était revenu. Bellone qui récupère. Puel. Beaucoup de rythme côté monégasque. Attention. Oulala. Oui, non, finalement ça se finit bien. Mais il avait quand même renversé le jeu Bellone. Mais finalement on est déjà de l'autre côté. Atlet pour Marcel Dib qui est signalé hors jeu. Et nul doute ce soir, comme je le disais, l'équipe de Naples ne va pas prendre de risques inconsidérés. Là c'est Renica qui dégage ce ballon. On est à la 23e minute. Domination de l'AS Monaco, mais toujours 0-0 pour l'instant. Maradona, attention, Careca, mais c'est bien défendu, mais ça revient. Attention pour Diego Maradona. Oh là, attention, il avait été oublié sur ce service en profondeur par la défense monégasque, mais heureusement il a raté sa frappe et Tori a pu s'interposer. Ah, il va pas falloir lui laisser trop de situations analogues dans ce match parce que ça fera beaucoup de dégâts, n'en pas douter. Et là c'est Amoros déjà qui est reparti. Dib. Et Marcel Dib qui est contré. Carnevale, Alemão, Renica, on s'en sort bien côté napolitain. Il y a une grosse pression monégasque et Kroll, le néerlandais, qui va pouvoir sortir ce ballon. De Napoli, banni. Ils ont une bonne conservation de balle. Oui, pour l'instant les monégasques n'arrive pas à remettre la main sur le pied sur le ballon en tout cas. Alemão, attention, oui, mais là ça y est, Marcel Dib a contré ce ballon. Une grosse bataille de milieu de terrain. Maradona, attention, ouais, bien défendu Marcel Dib, c'était bien joué. Et long ballon en profondeur, mais là c'est Garella qui va récupérer ce ballon. On est à demi-heure de jeu. Alors à la mi-temps de ce match, restez avec nous puisqu'il y aura des résumés d'autres matchs de Coupe d'Europe. Hein. Il y avait des belles affiches, notamment en Coupe des Clubs Champions, Hambourg-Juventus et Real Bayern de Munich notamment. Et vous verrez aussi un match de Coupe des Coupes et de Coupe UEFA qui se disputait ce soir, notamment en Coupe des Coupes l'Ajax qui recevait la Sampdoria de Gênes. Et en UEFA, Aston Villa recevait les Bohemians de Prague. Tous ces résumés vous seront proposés pendant la mi-temps de ce match. Allez, là c'est bien joué, Elström. Elström il temporise et il veut servir Bellone finalement, mais Brucciolotti avait anticipé. Pour l'instant, les Napolitains qui ressortent proprement le ballon, même si là c'est contré. Allez, peut-être Elström qui va tenter sa frappe. Oh, c'est le poteau. Oh, c'est le poteau qui vient sauver Claudio Garella qui était battu sur cette frappe. Et il y a eu un gros pressing des joueurs de Monaco, mais attention, Carnevale qui est déjà en position de contre-attaque là-bas, mais Marcel Dib qui est venu s'interposer. Ah, c'est dommage, c'était bien joué, c'est reparti avec Elström, encore lui, Elström face à Kroll, Elström qui frappe et il oblige encore Garella à une parade. Gros temps fort de l'AS Monaco. Les joueurs du Napoli pour l'instant qui souffrent un petit peu, mais Monaco qui montre ce soir qu'il a les capacités de faire quelque chose. Allez, Bellone, allez, une frappe d'Elström sur le poteau. Odol, Barberis qui frappe, mais cette fois-ci, ouais, ça se finit à côté. Ah, dommage, ça n'aurait pas été immérité que Monaco mène au score à la mi-temps. Là, il y a eu cette frappe et ensuite sur le poteau et ensuite un arrêt de Garella. Et la mi-temps, on va arriver à point nommé hein, pour les joueurs napolitains. Ont quand même été malmenés et surtout dérangés par un gros pressing. Encore une fois, là on le voit, Dib pour Odol. Gros pressing monégasque qui a été très très performant. Bruno Bellone temporise, mais l'arbitre qui ne laisse pas finir l'action et qui siffle la mi-temps. 0-0, se retrouve dans 15 minutes.
En Coupe des clubs champions, la Juventus de Michel Platini se rendait en Allemagne de l'Ouest à Hambourg. Grosse affiche hein, entre deux belles équipes européennes forcément, mais la Juve va être très dangereuse puisque Bettega, dès le quart d'heure de jeu, oblige le portier ouest-allemand à s'employer. Il y aura une deuxième occasion pour les joueurs de la Juve qui jouaient en jaune pour l'occasion. À la demi-heure de jeu, Bettega qui repique au centre, qui donne à Paolo Rossi qui frappe, et encore une parade du gardien. La Juve qui a dominé cette première mi-temps malgré une réaction. Là, c'est Horst Rubesch qui tente sa chance et s'est repoussé. Ensuite, un petit cafouillage devant la cage de Dinosov. Et juste avant la mi-temps, Horst Rubesch, encore lui, il veut centrer au cordeau, mais Zoff est le plus prompt. Et 0-0 à la mi-temps. La Juve a quand même une maîtrise de ce match et va le concrétiser en seconde période. Gentile pour Boniek, long ballon en profondeur pour Paolo Rossi, il va plus vite que Buljan. Et il vient tromper le gardien ouest-allemand. 1-0 pour la Juve qui va s'imposer à Hambourg et qui réalise la grosse opération de la soirée. Qui a déjà forcément un pied en demi-finale. Grosse affiche également à Madrid où le Real de Madrid reçoit le Bayern Munich. Et effectivement, on va voir que le Bayern en première mi-temps a eu des situations. Il n'a pas subi la domination outrancière auquel on pouvait s'attendre. Dans un match assez fermé quand même, Breitner pour Mati qui temporise. Là il sert Wolfhart au 25 mètres qui frappe et ça passe au-dessus. Côté madrilène, Hugo Sanchez à la 41e minute qui sert Butragueño qui rentre dans la surface de réparation qui centre. Sorti par la défense bavaroise dans un premier temps, Del Bosque. Et ça finit sur Juanito. Et qui sera à contrer, hein, comme vous le voyez sur vos écrans. La défense ouest-allemande bien recroquevillée, qui pour l'instant défend très bien et contient sans aucun problème les assauts du Real. Mais en seconde période, le Real va hausser son niveau de jeu. Et sur une très mauvaise relance de Weiner, Santillana récupère le ballon. Juanito, qui élimine deux joueurs du Bayern et vient ouvrir le score 1-0. Une première mi-temps un peu ratée hein, par le Real, mais qui s'est bien repris en seconde période. Le Real qui aura une autre occasion sur ce long coup franc. Et ensuite une sortie de Jean-Marie Favre devant Hugo Sanchez, déterminant. Car c'était très dangereux. Et à 10 minutes de la fin, le Bayern va se créer une occasion, aurait mérité hein, d'égaliser. Onnes qui frappe, super parade du gardien qui s'interpose et Nightmite encore lui qui frappe de la tête. Et le ballon finit en corner. Corner tiré par Wolfhart. Un ballon qui revient dans les pieds de Nightmite qui frappe à côté. Score final 1-0, tout reste indécis pour le match retour. Et le Bayern a encore une chance de se qualifier. En Coupe UEFA, Aston Villa, un tombeur de l'AS Saint-Etienne au tour précédent, recevait les Tchécoslovaques du Bohemians de Prague. Adversaire coriace et surtout avec le désavantage de recevoir le premier match. Mais les Anglais vont essayer de mettre la pression en début de rencontre sur le but des joueurs tchécoslovaques. Là, c'est un dégagement de Sloup, un ballon qui sera perdu. Bremner pour Garicho qui tente sa chance et Ruska s'interpose. Grosse pression des Anglais. Encore un long ballon pour White sur le côté gauche. Qui va centrer et Ruska doit jouer des points et ensuite Diogo qui met ce ballon à côté. Mais les Anglais vont se faire surprendre sur la première incursion des joueurs tchécoslovaques. Un ballon, on va le voir, qui revient dans les pieds de Stup pour Jakubek qui frappe et le gardien qui sort ce ballon en corner. On suit le corner dans sa continuité, tiré par le capitaine Przemysl Bykowski
Et c'est une tête 1-0, stupeur hein, pour les Anglais, puisque les Tchécoslovaques étaient quand même dominés. Et Milan Čermák qui vient ouvrir le score 1-0. Et on connaît bien sûr l'importance du but à l'extérieur. Et on sait que la tâche sera difficile au Doliček Stadion au match retour. Mais sur une mauvaise relance de Lévy, White récupère le ballon, il est fauché, l'arbitre ne siffle pas. Et Gary Shaw va au bout de l'action et ça fait un partout. Aston Villa égalise. C'est logique, mais forcément, ça reste un résultat insuffisant dans l'optique du match retour. En seconde période, les Tchécoslovaques ne proposeront pas grand-chose, si ce n'est un long coup franc dans les bras de Riemer. Et côté anglais, on tentera par tous les moyens de reprendre l'avantage. White, encore lui, sur le côté gauche, souvent sollicité. Qui déborde Zelensky. Ensuite, Ondra pour Michinek. Très mauvaise relance. Et c'est une frappe de plate, mais encore une fois sorti par Rouchka, le gardien des Bohemians, qui a livré un bon match hier soir. Plate pour Bremer. Ballon en profondeur. Et Gary Shaw qui tente de s'interposer. Longue possession de balle des Anglais. Gary Shaw qui est encore servi. Il frappe, mais cette fois-ci, Rouchka est encore sur la trajectoire du ballon. Les Anglais auront tout tenté en seconde période. Ils ont dominé cette seconde période, mais n'arriveront pas à marquer ce second but. Ce sera donc compliqué pour eux au match retour en Tchécoslovaquie. Là, c'est plate encore pour Gary Shaw, pour Morley qui frappe, mais ça n'est pas assez fort. Score final un partout. Les Tchécoslovaques sont en ballotage favorable. L'Ajax d'Amsterdam reçoit la Sampdoria de Gênes en Coupe des Coupes. Et là aussi, une domination des joueurs de l'Ajax qui va être assez stérile en première mi-temps. Beaucoup d'imprécisions face à une équipe de la Samp qui défend très très bien et qui se projette vite en contre. Comme là, à la 17e minute, Liam Brady qui temporise, il sert Mancini. Il repique au centre pour Trevor Francis qui frappe de loin et c'est bien capté par Menzo. Il faudra attendre la seconde période pour voir vraiment le match s'emballer et voir l'Ajax se mettre en action. Vitschke, on est à l'heure de jeu. Il déborde, il temporise et il centre pour Wim Kieft, un peu oublié par la défense italienne et ça fait 1-0. On notera la passivité étonnante de la défense de la Samp qui avait très bien géré jusqu'ici. Grosse erreur d'inattention qui coûte assez cher. Mais l'Ajax a eu toutes les peines du monde à déployer son jeu. 67e minute, Carboni qui sert Trevor Francis, encore lui, qui tente sa frappe, mais c'est quand même à côté. Dommage pour les joueurs italiens. L'Ajax, lui, tentera par tous les moyens de inscrire le second but qui les mettrait dans un confort un peu plus intéressant pour le match retour, mais des longs ballons en profondeur. Là, c'est Van Schip qui est devancé par le gardien. Il remet ce ballon en profondeur et Pagliuca qui s'empare du ballon. À 10 minutes de la fin, les joueurs de l'Ajax ont encore une occasion. Winter pour Wim Kieft, le buteur, qui rentre dans la surface. Mais là, il est fauché. Aaron Winter, petite talonnade et ballon pour personne. Dommage. C'était intéressant, mais pas très efficace. Score final 1-0, ce sera dur pour l'Ajax au match retour. Et nous voilà revenus ici au Stade Louis II à Monaco. 0-1-0 entre l'AS Monaco et le Napoli de Diego Maradona. Une domination monégasque en première mi-temps qui aurait dû, qui aurait pu se concrétiser par une ouverture du score. Malheureusement, ce n'a pas été le cas. Les joueurs de la principauté ont touché le poteau une fois. Ils n'ont été sollicités qu'une fois. Attention, Carnevale. Oh là là, il était... Ah, je crois qu'il a cru qu'il était en position de hors-jeu. Voilà, il y avait un gros trou d'air dans la défense monégasque. Il fallait faire attention parce que c'était très sérieux. Mais on est déjà reparti de l'autre côté, Barberis.
Et là, ce sera contré. Oui, alors attention, parce que là, Carnevale, il était étrangement seul. Et ça aurait pu être fatal pour l'AS Monaco. Heureusement qu'il a manqué de lucidité, le joueur napolitain. Et on le disait, les joueurs monégasques n'ont été inquiétés qu'une seule fois en première mi-temps sur une frappe d'Alemao. Jean-Luc Ettori avait sorti en corner. Barberis pour Atlet. Là, c'est mal donné. Carnevale. On est bien repris par Marcel Guide, mais finalement, non, c'est reperdu. Attention, Carnevale qui file dans le dos de la défense. Puel vient à sa rencontre. Ettori qui s'interpose, heureusement. Attention, là, les joueurs de Monaco, visiblement, ne sont pas rentrés dans cette seconde période. Les joueurs napolitains, eux, sont bien installés dans le camp monégasque. On ne les avait pas trop vus en première mi-temps. Barberis. Non, donc ballon en profondeur, mais là, il n'y aura personne. Mais alors, il faut faire attention parce que là, visiblement, ça fait deux fois qu'on voit les joueurs italiens venir jouer dans le camp monégasque. Des monégasques, visiblement, n'ont pas repris leurs esprits là sur ce début de seconde période. Il y a un gros moment de flottement là qui dure depuis maintenant une dizaine de minutes. Attention, Brucciolotti qui passe assez facilement sur le côté, mais heureusement, Puel qui vient mettre fin à cette attaque. Et c'est reparti. Allez, Marcel Dibbe. Il a du champ. Ouais, il veut frapper. Non, c'est contré. Il était quand même loin. Attention, Maradona. Oh là là, il a fait un grand pont. Maradona, il a joué avec Carnevale. Heureusement, Moros est venu défendre. Oui, il faut beaucoup de pugnacité là. Ah, Moros qui a raté sa passe. Ouais, mais on a vu le danger. Dès que Diego Maradona a touché le ballon, il avait fait un grand pont et ensuite il avait déjà créé le danger systématiquement. Allez, Estrom, ouais, pour Atlet. Hein, il est signalé en position de hors-jeu. Ils ont plus de mal, les joueurs de Monaco, là, pour l'instant. Et Ruud Krol qui va dégager son camp. 65e minute de jeu. Ce n'est pas le même Monaco, pour l'instant, qu'on voit en seconde période. Allez, Atlet. On a voulu servir Strom, mais Alemao a bien couvert. Banni. Sinon, Carreca. Carreca qui joue avec Maradona, c'est dangereux. Oh, Diego Maradona, oh, il a éliminé trois joueurs monégasques. Maradona qui frappe. Oh là, quel danger encore. Il avait éliminé trois joueurs sur une fin de corps, un petit geste technique et c'était déjà emballé. Et heureusement que sa frappe manque de puissance sur la fin parce que là, vraiment, la défense monégasque était dépassée. Edström, allez, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une occasion monégasque. Odell, et voilà. Oh, le but. L'ouverture du score de Glenn O'Dell pour l'AS Monaco. Et ben voilà, au moment où s'y attendait le moins, puisque les Monégasques souffraient depuis le début de cette seconde période, ils étaient dominés. Et ils viennent marquer en contre au moment où on s'y attendait le moins, au moment où ils avaient le plus de difficultés. Ah oui, regardez, un ballon détourné. Ah, il est plus rapide que le défenseur central. Ah oui, c'est bien joué. Pleine lucarne, 1-0. Et Monaco qui s'en sort très très bien. Alors si Monaco avait ouvert le score en première mi-temps, il n'y aurait rien eu à dire. Là c'est vrai que c'est un peu heureux d'ouvrir le score dans un contexte où ils étaient mis en difficulté en ce premier quart d'heure de la deuxième période. Elle est cruelle. Mais voilà, on va s'en féliciter. Pour l'instant, Monaco qui ouvre le score. Allez, Bellone, finalement Odol, le buteur qui sert Bruno Bellone. Attention, il va être un peu enfermé là-bas. Il y a Banni, ouais, il rejoue avec Odol. C'est bien joué pour Atlet. Ah, dommage, il n'a pas pu récupérer. C'était bien joué. Les Monégasques qui ont repris leurs esprits. Et Glenn Odol qui sort, le buteur. C'est Didier Christophe qui rentre. Alors, le coaching de Lucien Muller est très clair. Il faut densifier, muscler le milieu de terrain. Et opter maintenant pour un jeu un peu plus peut-être défensif. Je veux dire que du côté de Monaco, on a peut-être estimé qu'un score de 1-0 serait quand même une bonne opération. Après, c'est vrai que la prise de risque peut aussi engendrer un but égalisateur qui serait très problématique. Et il reste un quart d'heure de jeu. Et c'est vrai que ces joueurs napolitains, ils nous ont fait peur essentiellement sur des fulgurances de Diego Maradona. Mais on sait qu'au match retour, ce sera très compliqué. Barberis. Jota.
Bellone qui va pouvoir centrer. Ouais, il veut centrer pour Atlet, mais c'est un ballon qui va finir en sortie de but finalement. Et les Monégasques, en tout cas depuis l'ouverture du score, ont repris le sens du jeu, ont repris le match en main. Mais je ne pense pas que côté napolitain, pour l'instant, on s'affole vraiment parce qu'on sait bien que 1-0, c'est pas un si mauvais résultat que ça. Pour le match retour à San Paolo, attention, Renica. Salvatore Bagni, ouais, il y aura une faute. Il y aura une faute. L'arbitre qui va sortir un carton jaune pour Umberto Barberis. C'est dommage. Ce sera un long coup franc pour les Napolitains. C'est Bagni lui-même qui met ce ballon dans la boîte. Attention, oh là là, cafouillage devant la cage des Tori, c'était dangereux. Mais attention, parce que là, il y a quand même un peu de fébrilité. Encore un ballon qui navigue. Et c'est bien sorti par Ernesto Simon et Didier Christophe qui sort et ce ballon. Et là, c'est là qu'il faut être solide. Reste 8 minutes et nul doute que les Napolitains vont peut-être tenter un coup pour égaliser. Bagni. Même si je pense qu'au fond d'eux-mêmes, ils se satisfont de ce 1-0. De Napoli. On met ce ballon en profondeur là-bas, la reprise, ouais, mais sans danger là, cette reprise de Careca pour Jean-Luc Ettori. Ström ouais, qui sert Atlet là-bas sur le côté, mais Rutkroll est le plus prompt, ouais, il va jouer avec Caranante qui vient de rentrer. Le ballon en profondeur, là, côté monégasque, un seul changement pour l'instant. Hein. On n'aura pas vu Fofana ni Courriol, hein, les sauveurs du tour précédent. Mais là, c'est clairement une stratégie. Je pense que maintenant, il faut préserver ce score côté monégasque. On sait que ce sera dur au match retour. Allez, Mao. Il reste 3 minutes. Bagni pour aller Mao. Encore lui. Attention. Carnet Ballet. Hein, mais c'est bien défendu par Marcel Dib qui obtiendra la touche. Ils ont quand même été solides, ces joueurs monégasques. Bon, après quelques approximations, on a vu en début de seconde période, qui aurait pu coûter très cher. Allez, Ernesto Simon, on va essayer de gagner du temps là. Bon ballon en profondeur. Atlet, Ekström, repris par Kroll, ouais. Ferrara, Rucciolotti, l'arbitre qui regarde sa montre et devrait siffler la fin du match rapidement. Maradona, attention, dernier frisson peut-être pour Carnevale qui sert Careca là-bas. Attention, Careca qui est suivi par Puella, ballon en profondeur et Jean-Luc Ettori, bravo, qui s'interpose car c'était dangereux et Maradona traînait ici. Et voilà, c'est terminé, 1-0, belle victoire de Monaco, certes avec un seul petit but d'avance qu'il faudra défendre au match retour dans le bouillonnant stade de San Paolo à Naples. Voilà, c'était Rétroplay 80, merci de nous avoir suivis, on se retrouve très bientôt pour d'autres matchs sur notre chaîne. Ciao.